Yoga, yoga, yogeshwaraya, bhuta, bhuta, bhuteshwaraya, kala, kala, kaleshwaraya, shiva, shiva, sarveshwaraya, shambho, shambho, mahadevaya. Yoga, 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 bhuta, bhuta, bhuteshwaraya, kala, kala, kaleshwaraya, shiva, shiva, sarveshwaraya, shambho, shambho, mahadevaya. Yoga, yoga, yogeshwaraya, bhuta, 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 shambho, shiva, maheshwaraya, shambho, shambho, mahadevaya. आज बदरा उठा प्रेम का ये जी बदरा उठा प्रेम का रे हम पर बरसाए हर्षीले हो गई आत्मा और हरी भरी बन राई मस्त हुआ फिर क्या बोले।
Jananam sukadham maranam karunam milanam maduram smaranam karunam kalavasya sakalam karuna samayadipate akilam karunam. Namaskaram. Namaskaram à vous tous, où que vous soyez. Eh bien, je pense que la plupart d'entre vous êtes chez vous. Eh bien, vous connaissez tous les nouvelles. Toutes les nations tendent à reprendre leur activité économique. Les gens essaient désespérément de s'y remettre. Certains tentent de rentrer chez eux, à partir de là où ils étaient bloqués. D'autres qui étaient bloqués chez eux veulent désespérément sortir. Vous voyez un tas de gens qui sont loin de chez eux, qui veulent désespérément rentrer chez eux. Mais beaucoup qui sont arrivés chez eux à temps et y sont restés confinés pendant près de 8 semaines, ils sont prêts à tout pour sortir. Donc cette année 2020 sera de bien des façons une année unique dans nos souvenirs de la vie. Voici un petit poème pour vous, pour 2020. Le titre est Circa 2020. Vous l'avez affiché? Doors closed, windows open, wistful, fearful, but hopeful eyes, scanning for the invisible, elusive virus or its carriers, unseen and shrouded in its minuteness, the one who has brought the world to its knees dances on. When the judicious ones are being judged as cowards and the very bold are dead, quack solutions are aplenty. Not knowing the nature of this minuscule visitor, humanity in quandary, humbling, brings out the best and the worst from different sorts, a challenge of our times. So. Donc. J'ai aussi pensé que je devrais lui donner une image d'une certaine façon. Donc il y a une petite peinture pour ça. Justin. Non, non. Juste celui-là, je veux dire. Non, non, vous pouvez toutes les deux le faire. Quand vous ne connaissez pas la nature de l'ennemi auquel vous faites face, tout ce que vous pouvez faire, c'est de le regarder bouche bée. Et c'est tout ce qu'on fait en réalité. On pense qu'on fait un tas de choses. En fait, tout ce qu'on fait, c'est rester bouche bée. On ne voit rien, on le regarde juste bouche bée.
Comme vous le savez tous, et je l'ai déjà dit, on n'a pas fait grand-chose à ce sujet parce qu'on n'en sait pas grand-chose. Ce n'est pas juste de le comparer à la grippe espagnole ou aux pestes buboniques, la peste noire du passé, parce qu'il n'est pas aussi virulent. C'est léger, ça nous nargue juste. Ça nous tue aussi, mais pas comme ces choses qui sont apparues dans le passé et qui pouvaient balayer toute la population d'une ville ou d'un village. C'est un autre genre, ça va nous blesser différemment. Donc en étant judicieux, en faisant attention, en étant prévenant dans notre activité, on pourra s'en sortir. Mais jusqu'à maintenant, à chaque fois que ce genre de virus sont arrivés dans le passé, on n'a jamais trouvé de solution. Ça a juste évolué au bout d'un certain temps. Soit le virus a muté de lui-même en une forme plus légère, ou on a développé une immunité au fil du temps et on s'en est sorti. Mais on n'a jamais vraiment trouvé de réelle solution. Comme toutes ces choses qui sont vantées. Un vaccin va sortir dans 2 mois, dans 3 mois. Ce genre de choses ne sont pas arrivées. Non pas que ça ne doive pas arriver cette fois-ci, mais déjà, comme on le sait, il y a plus de 10 variétés. Comment va-t-on faire des vaccins? Comment va-t-on faire des vaccins? Même si on fait un vaccin, comment va-t-on l'administrer à 7 milliards de personnes? 10 vaccins. Ça serait un énorme travail en soi. Donc, la seule voie est de renforcer notre système immunitaire. La seule voie est de se comporter socialement de manière responsable. Voilà comment aller de l'avant. Et c'est un nouveau monde, du moins au cours des 1 ou 2 prochaines années. Ça va être un monde différent que celui dans lequel on a vécu. En ce moment, beaucoup de choses sont en cours. L'un des aspects, juste pour y attirer votre attention, surtout ceux d'entre vous qui êtes aux États-Unis, l'université de Harvard, en collaboration avec le Beth Israel Medical Center aux États-Unis, ensemble, ils mènent une recherche sur la façon dont les pratiquants de yoga, les gens qui font certaines pratiques yogiques, la façon dont ils réagissent à un virus comme celui-ci, quelle est leur résilience? Est-ce qu'ils survivent mieux? Je suis à 100% sûr qu'ils survivent mieux, mais on a besoin, comment dire, de preuves médicales à ce sujet, mais j'en suis à 100% sûr, parce que je n'ai pas entendu parler d'un seul décès d'un de nos méditants. Certains d'entre eux ont perdu leurs parents, des proches âgés, mais pas les méditants, leurs proches. Donc le yoga ne passe pas par le sang. Vous devez le faire. C'est le seul problème avec la fichue chose. Ça marche miraculeusement, mais vous devez le faire. Vous ne pouvez pas demander à vos soignants de le faire pour vous. Ce n'est pas ce genre-là. Donc, ils prennent un échantillon de 5000 pratiquants de Isha Yoga, ceux qui font les pratiques d'ingénierie intérieure et d'autres pratiques. Donc, ceux d'entre vous aux États-Unis qui veulent s'y inscrire, s'il vous plaît, faites-le. Et ils vont aussi observer 10 000 non-pratiquants de yoga, et probablement que d'ici 3 à 4 mois, ils vont arriver à une sorte de, vous savez, résultat de l'étude. Quelle est la différence? Je suis à 100% sûr qu'il y aura une différence, mais seulement si vous pratiquez. Donc, s'il vous plaît, ceux d'entre vous, ce n'est disponible que pour ceux qui vivent aux États-Unis. Donc, s'il vous plaît, ceux d'entre vous qui êtes aux US, inscrivez-vous, parce que ça va être important. Pour le monde, pour l'humanité, ça va être important. Parce qu'ils prédisent que d'ici 8 à 14 ans,
il pourrait y avoir d'autres pandémies pour diverses raisons. Il y a des prédictions. Ce sont des calculs scientifiques. En regardant certaines choses, certaines tendances en cours dans le monde, ils disent que d'ici 8 à 14 ans, il y aura une autre pandémie. Et qu'elle pourrait... on ne sait pas quel genre ce sera. Elle pourrait être bien plus virulente, elle pourrait terrasser une bonne partie de la population, mais avant ça, on doit s'assurer que toute la population fasse du yoga. Ce matin, je marchais simplement dehors et... ce n'est pas nouveau pour moi, mais cet instant particulier était tel que... j'ai écrit un petit poème. Est-ce que je peux vous torturer avec ça? Eh bien... ça s'appelle « Oh, sol ». The fragrance of the soil somehow is more tenderness to me than the fancy fragrance of the flower. The fragrance of the soil somehow is more tenderness to me than the fancy fragrance of the flower. The strength and sensitivity of life held in the soil lets off waves of passion of a different sort, passion not of a person, but of my species that has gone insensitive. The strength and sensitivity of the life held in the soil lets off waves of passion of a different sort, passion not of a person, but of my species that has gone insensitive to all that nourishes it and absorbs it at the end. As I walk barefoot, I break down with passion so profound that it defies all descriptions. As I walk barefoot, I break down with passion so profound that it defies all descriptions. Oh soil, my life. La plupart des gens ne développent un lien avec la terre qu'après leur mort. Mais il est très important de développer un lien avec la terre quand vous êtes en vie. Je dirais surtout maintenant, avec ce virus alentour. Croyez-moi, ceux d'entre vous qui êtes d'une façon ou d'une autre en contact avec la terre, ici on appelle ça Prithvi Prema Seva. Ça veut dire s'impliquer avec la terre de manière très aimante. Eh bien, votre capacité à vivre, votre capacité à résister à ces types d'invasions dans votre vie sera très grandement renforcée. Il ne suffit pas juste que vous soyez en vie. Il est important que vous viviez avec force. Vivre avec force ne signifie pas avoir de gros muscles et dominer quelqu'un. Vivre avec force veut dire, ici, la vie bat son plein. Pour cela, il vous faut un corps qui traite la planète tout entière comme son extension. Et elle l'est. Chaque jour, vous y prenez quelque chose et vous y remettez quelque chose. Vous chiez tous les jours ou non? Je vérifie juste. Parce que les gens constipés, pas juste dans le corps, je parle de ceux qui sont constipés ici, il y en a trop qui sont constipés ici. Ils vont commencer à... où est-ce que je remets? Qu'est-ce que je prends? Non, non, vous mangez, vous chiez, ça veut dire que vous remettez. Vous respirez, donc vous prenez et vous rendez. Donc, cette planète est une extension. Ou vous pouvez en faire votre unité de soins intensifs. Oui, elle l'est. Si vous n'arrivez pas à respirer, alors ils vont vous donner de l'oxygène qui a aussi été pris dans l'atmosphère. Pas d'autre part. Ça ne vient pas d'autre part. Si vous prenez des médicaments, ils viennent de la planète. Vous prenez de la nourriture, ça vient de la planète. Vous respirez, ça vient de la planète. Ils vous mettent sous oxygène, ça vient de la planète. Donc, cette planète est une extension de vous-même, ou je vous donne l'occasion d'être
grandiloquent dans votre vie. Mais en réalité, vous êtes juste un pop-up sur cette planète, vous émergez et puis vous retombez. Oui. En ce qui concerne la Terre-Mère, elle vous regarde avec compassion pour votre bêtise. Parce que dans son esprit, vous êtes juste un recyclage. Elle se recycle simplement. Mais vous vous prenez tellement au sérieux. Tellement au sérieux. Ouf. Pas croyable, ce que les êtres humains pensent d'eux-mêmes. Donc, il est très important que vous ameniez ceci, vous tous qui êtes ici au Centre Isha Yoga, nous allons mettre en place certains processus pour vous, pour que chacun d'entre vous, au moins une fois tous les trois jours, vos mains et vos pieds soient dans la terre. Très important. Et où que vous soyez, si vous avez un petit bout de jardin, ou vous pouvez offrir de travailler dans le jardin de quelqu'un d'autre. Croyez-moi, oui, ils vont obtenir un travail gratuit, mais n'allez pas croire qu'ils en tirent plus. Vous en tirez beaucoup plus parce que le fait que vous soyez connecté à la Terre va faire une différence phénoménale dans la façon dont votre corps physique fonctionne. Tout le monde doit faire usage de cela, quelque part, au moins aller nettoyer les rues. Faites quelque chose, mettez vos mains dans la terre, très important. Autrement, ceux d'entre vous qui êtes trop fortunés mais ne voulez pas être vus en train de travailler parce que ça pourrait créer une mauvaise image pour votre richesse, vous pouvez prendre un bain de boue. Oui, c'est aussi une façon. Puis-je vous torturer avec d'autres peintures? Voyez, j'ai travaillé. Est-ce que l'un d'entre vous a déjà vu un paon rouge? Non. Dans mon enfance, quand j'allais au zoo de Mysore, il y avait un paon rouge là-bas. Ils sont très rares, mais de temps à autre, il y en avait un, une sorte de mutation ou autre. Il y a des paons blancs, vous les avez vus, il y a des blancs et il y a des rouges. Donc ce souvenir d'enfance était vif dans ma tête. Et je me suis dit, il faut que je fasse un oiseau. Au début, je me suis dit, je vais faire un aigle. Mais alors, il avait l'air trop... De près, il avait l'air trop... comme ça. Et puis un paon marchait par là. Je me suis dit, je vais faire un paon, mais ses couleurs étaient trop complexes pour moi. Je crois que c'est trop complexe pour n'importe qui. Si vous prêtez suffisamment attention au paon, à chaque instant, avec chaque instant et chaque teinte de lumière, sa couleur change. Je ne pense pas que qui que ce soit puisse capturer ça. Et puis ce paon rouge de mon enfance m'est revenu. Donc le voici. Donc tout ça, c'est de la terre rouge et des matériaux naturels à part un peu de doré que vous voyez, c'est de l'acrylique. Tout le reste, ce sont des couleurs naturelles et essentiellement de la terre. Ceci ne veut rien dire, c'est juste une peinture, ok? Donc, nous voilà, nous approchons de la fin de
Combien de jours? 64 jours. Combien de jours avons-nous été confinés en Inde? Je pense un peu plus de 60 jours. Le confinement va probablement durer 64 jours au total, on s'en approche. Le 31 est censé être la fin. Mais à partir de demain, il y aura quelques vols intérieurs. Mais si vous entrez dans cet avion, toutes les hôtesses et autres vont vous donner l'impression d'entrer dans une unité de soins intensifs. Ils sont tous habillés comme ça. Et vous-même, bien sûr, vous avez un masque et un bouclier et toutes sortes de choses, d'accord? Donc je pense à prendre un bateau pour l'Amérique. Au moins, en étant en mer, personne ne va vous infecter en mer pendant 30 jours ou autre. Parce que les compagnies aériennes vont être un problème. Seuls ceux qui veulent désespérément aller quelque part doivent les utiliser. Autrement, il est préférable de les éviter en ce moment. Parce que l'air recyclé, il n'y a aucune garantie si une personne est infectée par un quelconque virus. Les 200 personnes et plus l'attraperont presque à coup sûr. Donc, c'est un monde changé, et c'est, vous savez, comme la façon dont on voyage en avion après le 11 septembre a changé de manière significative. Vous devez vous déplacer avec précaution. Si vous vous déplacez brusquement, ils vont pointer des armes sur vous. Maintenant, c'est encore pire. C'est plus que ça. Maintenant, les voyages en avion vont devenir un vrai problème et assez compliqué, du moins pour un certain temps. On ne sait pas combien de temps. Personne ne sait combien de temps, parce que personne ne sait quelle est la stratégie du virus encore. Personne ne sait vraiment, que des hypothèses qui sont avancées. Il n'y a pas de données scientifiques claires pour dire « c'est ça que le virus va faire, voilà ce qu'on peut lui faire ». Il n'y a rien de tel. On ne parle que de ce que les êtres humains peuvent faire pour que le virus ne se développe pas trop dans notre société. Donc, le transport aérien va s'ouvrir en Inde, mais il faut voir quelles en seront les conséquences. Le Tamil Nadu n'a, je crois, pas donné la permission de commencer à arriver en avion dans l'État, parce que chaque État est autorisé à prendre ses propres décisions. Je pense que le Tamil Nadu n'opte pas pour ça, parce que Chennai est en état de siège. Je pense qu'un couvre-feu d'une journée est imposé aujourd'hui ou demain, quelque chose comme ça. Dimanche, je crois que c'était aujourd'hui. C'est parce que c'est dans les grandes villes que ça s'est emballé. Chennai, Mumbai, Ahmedabad, Delhi, là-bas ça fait rage. Heureusement, dans le reste du pays, où vivent les populations plus pauvres, il ne s'est rien passé. La majeure partie du pays, quasiment 60-65% du pays, est totalement exempte de Covid. Et Coimbatore est également exempte de Covid. Mais une ville peut l'attraper n'importe quand, étant donné que les voyageurs venant de l'extérieur vont la porter. Mais l'Inde rurale a très bien résisté, bien que des millions de, vous savez, de travailleurs migrants, de journaliers vivant dans les villes, y soient retournés de tant de façons. Malgré cela, il n'y a pas d'épidémie, probablement du fait de leur connexion à la terre. Leur relation avec le sol est si forte, leur immunité est si forte. Si vous avez maintenu un lien avec la planète, le virus arrive, on le remet en terre. Non, ce n'est pas comme ça que ça marche, ne prenez pas ça au pied de la lettre. Mais définitivement, cette connexion fait à coup sûr une différence. Le niveau de robustesse du corps est à coup sûr déterminé par le degré de connexion à la Terre. Vous connaissez la vieille histoire que je vous ai déjà racontée. Ça s'est passé comme ça. 8 à 10 médecins des États-Unis sont arrivés au centre de yoga ici, il y a bien longtemps, je crois il y a près de 22-23 ans. Je leur avais parlé de l'hôpital yogique ici. Alors ils sont arrivés ici, ils sont restés 3 jours et le matin ils m'appellent, vous savez,
Notre bureau m'appelle et me dit, « Sadhguru, ils sont très en colère, ils sont agités, ils veulent partir, tous les médecins. » Je dis, « Que s'est-il passé ? » ?»« C'est l'hôpital yogique qui les agite. » Je dis, « D'accord, laissez-moi aller les voir. » Puis je vais les voir et, « Quel est le problème ?» Ils disent, « Où est l'hôpital yogique ? Vous avez dit qu'il y avait un hôpital yogique, où est-il ? » Je ne vois rien. Donc, leur idée d'un hôpital, c'est des lits, des infirmières, tout le monde qui vous sert. Quand vous servez si bien quelqu'un, il va choisir d'être malade. Oh, j'ai répondu, oh, c'est ça votre idée d'un hôpital. Ce n'est pas comme ça qu'un hôpital yogique fonctionne. Une chose, c'est que tous les malades sont debout à 5h du matin. À 5h30, ils font Guru Puja, puis Sadhana. Après ça, je les fais travailler dans le jardin, obligatoirement. Ils doivent travailler dans le jardin, puis ils doivent travailler dans la cuisine. Et puis ils vont se reposer un certain temps, peut-être un peu plus que les autres, et puis à nouveau se remettre au travail à 2h de l'après-midi, et voilà, je peux vous montrer où ils sont. Ensuite, je me suis mis à présenter tous les malades, avec quels problèmes ils sont arrivés, et comment ils vont mieux, certains vont mieux, certains viennent d'arriver, certains sont complètement guéris. J'ai dit, c'est mon hôpital. Ce n'est pas un hôtel, c'est un hôpital. Ça veut dire que vous venez pour vous rétablir, pas pour profiter de l'hospitalité du personnel. Donc, c'est très important. Et en ce moment, les gens sortent pour travailler, c'est une bonne chose. En même temps, ça doit être fait judicieusement. Si c'est juste en réaction au confinement que vous sortez, on pourrait produire des résultats désastreux. Quand on sort, on doit comprendre que c'est par nécessité qu'on sort, pas en réaction au confinement, comme cela se passe dans certains pays. Ils organisent tous de grandes fêtes et font cela et des rassemblements religieux. Hier en Allemagne, 40 personnes qui ont assisté à une messe à l'église sont testées positives, 40 sur 75. Alors à quoi bon? Parce qu'en réaction, soit par réaction religieuse ou... Vous savez, ceux qui veulent aller au paradis, une réaction. Ceux qui veulent avoir du plaisir ici, une autre réaction. Il est très important que cela soit mené judicieusement, que l'on sorte parce que c'est ce qu'exige notre vie, qu'on est obligé de sortir et de faire ce qu'on a à faire, pas en réaction. Comme j'ai été retenu si longtemps, maintenant je vais aller faire des folies. Cela peut être très très dommageable pour la population. Eh bien, vous-même ne serez peut-être pas infecté, mais vous pourriez faire d'énormes dégâts, en particulier dans la tranche vulnérable de la société. Donc il est très très important que tout le monde, en particulier les jeunes, se comporte de manière responsable, car vous pouvez mettre tout le monde en danger. Et ce danger n'est pas imaginaire, ce n'est pas de la fiction. D'accord ? Les estimations au niveau mondial, c'est plus de 400 000 personnes sont mortes. Rien qu'aux États-Unis, ça atteint quasiment 100 000. D'ici 2 à 3 jours, ça va dépasser les 100 000. Donc 100 000 personnes mortes dans un seul pays, si ça, ça n'est pas la réalité, eh bien, je ne sais pas, ce n'est pas de la fiction. Le virus et les morts et les difficultés qu'il traverse ne sont pas de la fiction. Quoi qu'il en soit, la plupart des autres qui sont de toute façon en train de mourir, qui meurent tous les jours, des gens meurent d'une manière ou d'une autre. Maintenant, tout le monde se lance dans un comptage intelligent, chaque pays, parce qu'il ne veut pas afficher de très gros chiffres. Supposez, une chose, c'est que dans la plupart des pays maintenant, ils ne testent plus les cadavres, c'est trop compliqué. Donc ça veut dire que si une personne meurt chez elle, ce n'est pas testé, donc ce n'est pas comptabilisé, comme une mort par le virus. Ils sont morts, c'est tout. Donc, si vous vous en tenez à cela, les chiffres qui sont publiés sont probablement bien, bien inférieurs à la réalité. Eh bien, les nations doivent faire ça pour éviter que les gens ne paniquent, pour que les gens soient inspirés à sortir et à faire leur travail, quel qu'il soit. Les dirigeants politiques doivent faire ça parce que si la panique se répand partout,
alors gérer cela va devenir un problème majeur. Donc on va leur accorder cette marge parce que, après tout, on doit gérer une grande masse de personnes et ce n'est pas facile. Mais en tant qu'être humain individuel, il est très important que vous en soyez conscient. Cette histoire d'hypoxie qui a lieu, où vos niveaux d'oxygène s'épuisent, vous ne savez rien, vous n'avez pas de fièvre, vous n'avez aucune indication, vous n'avez pas toussé, vous n'avez pas éternué, mais vous pourriez simplement en mourir dans votre lit. D'accord? Cela arrive à beaucoup de gens. Et cela n'est pas compté, mais ça arrive, c'est une manifestation du virus. Certaines personnes se mettent à tousser, à éternuer et à avoir de la fièvre. C'est bien, la seule chose qu'on ait, c'est qu'on pointe des pistolets de température sur les gens, et c'est la seule chose qui permet aux gens de passer différentes portes, que ce soit les compagnies aériennes ou les trains ou autres. Si vous affichez une température normale, vous passez. Mais en fait, vous pourriez mourir avec une température normale, sans aucun changement de température. Donc c'est un problème unique. Cela nécessite une attention énorme de la part de chaque être humain pour s'assurer que ça ne devienne pas une calamité majeure. Donc, je sais que j'en ai assez dit à ce sujet, mais en voyant le comportement des êtres humains dans le monde, je pense qu'au moins ceux d'entre vous qui méditent, ceux d'entre vous qui prétendent être un peu plus conscients que les autres, vous devez montrer la différence dans votre façon de vivre et vous devez vous assurer de ne pas être infecté. Au cas où vous l'êtes, vous devez vous assurer de façon absolue qu'il ne saute pas de vous à quelqu'un d'autre. Ce niveau d'attention, ce niveau de responsabilité, tout le monde doit en faire preuve. Je vous en prie. Cette question est de Kabir. Namaskaram Sadhguru. Y a-t-il un quelconque lien entre les pensées ou les émotions et notre système énergétique? Comment les émotions comme l'amour, la dévotion impactent-elles les énergies vitales du système? Comment? Excusez-moi? Comment des émotions comme l'amour, la dévotion impactent les énergies vitales du système? Oh. Donc, il y a deux façons d'approcher cela. Si vous prévoyez de participer, disons que vous voulez faire une course, disons une course de voiture ou de moto, vous avez une machine et vous-même, vous voulez faire la course. Maintenant, ce que vous faites, c'est que tout d'abord, vous préparez la machine, afin que, sur la grille, vous soyez au moins l'une des meilleures machines. Parce que, autrement, ça ne sert à rien, peu importe à quel point vous êtes bon pilote, vous n'irez nulle part. Donc, préparer la machine devient très important. Ensuite, bien sûr, la conduite. Une autre façon est de simplement vous rendre à votre bureau. Votre machine, ce genre de machine, mais vous conduisez prudemment et arrivez au bureau. Votre objectif est atteint. Vous n'avez pas besoin de ce genre de machine. Vous n'avez pas besoin de ce genre de machine qui va fonctionner à un tel niveau. Vous avez juste à conduire prudemment, ne rentrer dans personne, aller au bureau et rentrer à la maison. Vous savez qu'une roue est un peu comme ça, donc vous conduisez prudemment, sans endommager cette roue. Oui, beaucoup de gens font des choses comme ça. Donc ça dépend du but pour lequel vous utilisez ceci. Donc ici, si vous voulez regarder cela comme vous-même et la machine, vous voulez maintenir ceci à un certain niveau de performance, à tous les niveaux de vie. Alors, la première chose à faire est de préparer votre système énergétique pour qu'il puisse supporter n'importe quel type de coup. C'est extrêmement important que vous prépariez vos énergies de telle sorte que quel que soit le chaos qui ait lieu, elle va bien, elle n'est pas agitée. Autrefois, je faisais ce test pour certaines personnes. Nous avons laissé tomber ces choses ces jours-ci. Des surprises. Au sens où
Il y a très longtemps, on faisait ces choses. Vous êtes en train de marcher, quelqu'un arrive et, vous savez, fait un grand bruit à côté de vous, ou crée une situation où quelque chose passe très près de vous, ou, vous savez, en yoga, il y a un exemple classique consistant à jeter une corde et à dire « serpent ». Donc quand ça arrive, à quel point vos énergies vont s'agiter, vous dira à quel point votre système énergétique est stable. Quand vous êtes surpris, quand vous n'êtes pas préparé pour quelque chose, comment votre système y répond-il? Est-ce une réaction violente ou répond-il d'une certaine façon? Il y a une belle histoire. Puis-je vous raconter une histoire? Dimanche soir, ne vous endormez pas, d'accord? Il y avait un mouvement spirituel qui se situait dans le centre de l'Inde à une époque. Un mouvement très intense. Un gourou avec quelques centaines de moines et les gens ont commencé à aller là-bas, au centre, ils vivaient dans la forêt, mais tout le monde y allait. Ces jours-là, les mouvements spirituels n'avaient pas à aller collecter des fonds, parce que les rois les aidaient toujours. Quand ils voyaient que quelqu'un fait quelque chose avec une orientation spirituelle, ils étaient financés et on ne leur demandait jamais comment ils géraient leurs entreprises, parce qu'on comprenait que c'était fait avec une intégrité absolue. Donc, certains des ministres qui sont à la cour sont un peu agacés par ce mouvement en particulier, où le gourou a développé ses moines de telle façon que ce sont des gens très fiers, des gens forts. Ils ne se prosternent pas devant les ministres et les courtisans. Ils font les choses à leur manière. Quand vous faites les choses à votre manière, beaucoup de problèmes, vous n'avez qu'à me demander. Donc, ces gens pensent, vous savez, ces types nous prennent de l'argent, mais ils ne nous écoutent pas, ils n'en font qu'à leur tête. À différents moments, dans le développement d'Isha, des gens ont offert leur aide de façon conditionnelle, et on a toujours refusé. C'est pourquoi on s'est fait beaucoup d'ennemis. Simplement parce qu'on n'a pas accepté leur aide. On a refusé parce qu'elle était conditionnelle. Voyez, tant de gens, des gens merveilleux, ont donné tant d'argent pour réaliser ce projet. Nous n'avons écrit le nom de personne nulle part. J'ai dit, je n'écrirai pas votre nom, ni mon nom non plus, sur quoi que ce soit, dans cet endroit qui est considéré sacré. Non. Demain, si quelque part on construit un hôpital ou autre, peut-être qu'on écrira votre nom. Mais dans un lieu spirituel, on ne va pas écrire votre nom. Mais malgré ça, des gens merveilleux ont donné. Tous les autres ont été agacés que si on donne, peut-on... Voyez, j'attire toutes les créatures ici. Quoi que fasse l'oiseau, vous devez lui pardonner, d'accord? C'est ce qu'il connaît. Donc, les ministres essaient de faire réagir le roi. Ces types nous prennent de l'argent, ils ne nous écoutent pas, ils sont très arrogants. Le roi demande, ont-ils fait quelque chose de mal? Ils essaient de trouver, mais ils ne trouvent rien de mal. Mais ils disent, là n'est pas le problème. Ils ne ressemblent pas à des personnes spirituelles, ils ont l'air forts, ils ont l'air bien nourris, et ils sont fiers d'eux. Ce n'est pas de la spiritualité, spiritualité veut dire qu'ils doivent mendier tout le temps. Et se faire petit comme ça, c'est ça qu'on entend par spiritualité. Ces types ressemblent à des soldats. Alors, le roi dit, d'accord, laissez-moi parler au gourou. Et il appelle le gourou. Donc,
Le roi lui raconte le problème. Voilà mon problème. Les ministres me disent qu'on devrait arrêter de vous financer parce que vous ne ressemblez pas à des yogis. Vous marchez comme ça, bien droit. Vous devriez marcher comme ça devant les gens qui vous ont donné de l'argent. Donc, le roi demande, « Voyez, je ne comprends aucune de ces choses, mais je vous le demande, sincèrement, y a-t-il un quelconque travail spirituel en cours là-bas ou non ?» Le gourou dit, « Je ne veux rien dire, puisqu'une telle question vous est venue à l'esprit, je ne veux rien dire, mais expérimentez. Allons les tester, voir si, oui ou non, de la spiritualité a lieu. Faisons une chose, venez avec moi. » Donc, le roi se déguise afin de ne pas être reconnu. Le roi et le gourou. C'était le pic de l'été, donc en général, les gens avaient coutume de dormir en dehors de leur maison, dans leur jardin. Donc ils se rendent à la maison du ministre. Et le gourou prend un seau d'eau et le jette. Il dormait profondément sur son lit et il lui jette au visage. Le type se lève en criant et en hurlant, et vous savez, en insultant mère, sœur, tout l'entourage de quiconque a jeté cette eau sur lui. Et après ça, ils partent discrètement. Et l'autre qui est conseiller en chef, ils vont chez lui. Lui aussi est en train de dormir dehors. Et sa femme est à ses côtés. Et ils arrivent et jettent de l'eau sur lui. Il se lève et se met à la frapper. Dans sa tête, les choses les plus horribles ne peuvent être faites que par sa femme. Il se met à la battre et à l'insulter. Puis le gourou dit, venez. Et il l'emmène à son ashram. Et là aussi, tous ces moines dorment à l'extérieur. Donc ils y vont et jettent de l'eau sur un type. Ils se lèvent, Shiva! Ils jettent de l'eau sur un autre type, Shambho! Donc le gourou dit, c'est ça la différence. Maintenant, aucune de ces personnes ne sont conscientes, elles dorment profondément. Quand vous leur jetez de l'eau, la façon dont elles répondent ne peut pas être une réponse cultivée, ne peut pas être une réponse prétentieuse, elle a simplement lieu. Donc, c'est une façon simple. Donc ces tests, on ne vous les fait pas ces jours-ci, parce que on a un thermomètre avec lequel on vous teste de toute façon. Oui. On ne fait plus de tests aussi rudimentaires. Juste, vous savez, thermomètre voulait dire, avant, les thermomètres étaient des thermomètres rectaux. Vous deviez vous déshabiller pour prendre votre température. Puis le thermomètre est devenu, vous deviez ouvrir la bouche et l'y mettre. Puis, ils ont commencé à en faire pour les aisselles. Maintenant, donc la technologie s'améliore. De la même façon, on a mis en place d'autres genres de tests pour vous, dont on ne devrait rien vous dire parce que vous pourriez prétendre... Si vous avez de la fièvre et que vous voulez prendre l'avion, si vous connaissiez une façon de contrôler la température ou vous asperger d'eau froide ou manger une glace... On faisait ça quand on allait à l'école, je vous raconte ces technologies. On y allait et il voulait, oh, je me sens fiévreux, fiévreux, aujourd'hui je ne veux pas y aller parce qu'il y a un match de cricket dans l'après-midi quelque part, dans le coin. Si je vais à l'école, je ne vais pas pouvoir y aller. Donc, je sens que j'ai de la température, fiévreux. Eh, viens par ici, thermomètre, parce que mon père est médecin. Donc, aller dans la salle de bain, prendre de l'eau chaude, faire un gargarisme et puis... Donc, il y a des façons de faire monter la température, il y a des façons de faire baisser la température, d'accord? Ne faites pas ça en ce moment, vous mettez d'autres vies en danger. Donc, si vous vous construisez de telle sorte que vous voulez être dans un état dans lequel la vie et la mort, vous pouvez les gérer sans effort, si cela est votre intention, alors la seule façon d'y travailler est de stabiliser l'énergie.
d'améliorer le système énergétique et être joyeux, être aimant. Ce n'est même pas l'intention, ça va naturellement avoir lieu parce que... Voyez maintenant, votre machine est vraiment bonne. La vitesse n'est même pas voulue, même sans que vous le sachiez, ça arrivera. Ceci est arrivé. Vous savez, nous prévoyons de repartir au cours du mois d'octobre à Agumbe. Les œufs du cobra royal vont éclore, cette fois on envisage d'aller les voir. Donc on est dans cette région. Quelques motos et environ peut-être 12, 15 motos et environ 3, 4 voitures et une certaine camionnette qui n'était pas de marque indienne, qui venait de l'extérieur. Un véhicule américain qui transportait des pièces de rechange et des outils et tout. On faisait un long trajet. Je parle de quand j'avais, je ne sais pas, 21, 22 ans. Et chaque jour, j'essaie de mourir, et ce n'est pas arrivé. C'est le genre de balade qu'on fait. Donc, cette camionnette est conduite par un conducteur du coin. Donc, ils lui disent, vous restez à... Parce que c'est une camionnette de maintenance, elle a des outils et des pièces de rechange et tout, on veut la voir près de nous. Ces jours-là, nos motos, le maximum qu'elles atteignent, c'est 140, 145, c'est tout. Mais ce sont des routes de montagne, ça fait une sacrée vitesse. Et on ne va pas plus vite parce que nos machines sont comme ça. Ce n'est pas comme aujourd'hui. Donc, il lui donne des instructions. Reste juste à... Au plus vite, tu vas à 100 km/h. 100. Et en Canada, ils disent... Et on essaie de rattraper ce type. Ce type disparaît. Cette camionnette. Puis, en fin de compte, sur les routes de montagne, on le rattrape et on lui dit, « Imbécile, on t'a dit 100. » Il dit, « Je ne suis qu'à 100. » Il fait du 100 miles à l'heure. Donc quand la machine est bonne, la vitesse est une expression naturelle. De même, si vos énergies sont bonnes, être joyeux, être béat, être aimant, être sensible est juste une conséquence naturelle. Mais vous êtes juste une personne qui va au bureau, vous avez juste besoin d'une voiture qui va au bureau et revient à la maison. Vous voulez simplement maintenir votre situation officielle et votre situation domestique. Pour ça, vous ne voulez pas travailler aussi dur pour créer le genre de système énergétique qui sera dans un autre état, parce que ça va demander beaucoup de travail. Donc pour vous, si vous êtes comme ça, je ne veux pas que vous soyez comme ça. Mais si vous êtes comme ça, alors on va vous dire, s'il vous plaît, pratiquez l'amour, souriez, soyez joyeux, soyez gentil avec les autres. Toutes ces bêtises. Vous n'allez pas dire à un manguier, s'il te plaît, rends ton fruit sucré. Vous ne dites pas ce genre de choses, c'est sa nature. De même, si vous améliorez votre système énergétique jusqu'à un certain niveau de possibilité, se sentir bien, être à son pic, être sensible, être vif et naturel. Autrement, vous essayez de l'être. Eh bien, ceci est arrivé. Au Texas, à l'université du Texas, vous savez, il y a des joueurs de football américains à l'université qui n'ont pas vraiment étudié. Ils vont valider parce que ce sont des héros dans l'université, parce qu'ils jouent au football et vous savez, il y a un faible pour eux. Donc l'entraîneur prend le meilleur quarterback de l'équipe et plaide auprès du doyen. Vous savez, ce type est une star dans l'équipe. Vous ne pouvez pas lui faire passer les examens habituels. On va juste faire, vous savez, une évaluation orale, viva voce. Pas d'écrit parce qu'il ne sait pas écrire. Et il ne fait que jeter la balle. Rien de mal à ça. Donc, le doyen accepte et puis il s'assoit pour faire un test. Alors, le professeur lui demande, combien font 7 fois 7?
Il dit, « Je pense que ça pourrait faire 49. » L'entraîneur bondit et dit, « s'il vous plaît, donnez-lui encore une chance, donnez-lui encore une chance. » Ça a lieu dans la vie. Ce sont censés être ceux que vous aimez. Et vous vous conduisez extrêmement mal et dites, « S'il te plaît, donne-moi encore une chance, s'il te plaît, demain je serai aimant. » Parce que ce qui devrait être une nature intrinsèque est pratiqué. Pratiquer est très difficile. Mais ceux qui ne veulent pas faire le travail nécessaire, ils ne peuvent pratiquer que la vie. Peut-être que dans la prochaine vie, ils seront meilleurs. Donc c'est pour ça que tant de pratiques variées sont proposées pour que quelque chose les frappe. Alors dois-je faire la pratique de l'amour, la pratique de la dévotion? Non. Si vos énergies sont complètement inclusives, être aimant et être dans un état absolu de dévotion et d'extase est très naturel pour vous. C'est ainsi que la vie devrait être. C'est ainsi que sont toutes les autres vies. Ils sont ce qu'ils sont. Mais l'être humain est arrivé comme ça parce que il y a de grandes possibilités. Comme il y a de grandes possibilités, du travail doit être accompli. Si la possibilité était petite, manger, dormir, se reproduire, mourir, si c'était ça la possibilité, la seule possibilité, alors il n'y aurait aucun travail à faire, c'est la beauté des animaux. Ils n'ont pas à travailler dur pour être qui ils sont. Un tigre ne travaille pas dur pour être un bon tigre, juste bien manger, c'est tout. Toutes les créatures sont comme ça. Rien qu'avec assez de nourriture, un bon éléphant, un bon tigre sont là, tout seuls. C'est parce qu'ils vivent entre certains paramètres, deux lignes que la nature a dessinées. Mais la nature même de l'être humain, c'est que on ne veut pas vivre entre des lignes, on veut aller au-delà. Si une telle aspiration est présente, alors vous devez investir du temps et de l'énergie et de la concentration. Sadhguru, au moins 5 fois par mois, je pratique Sadhguru, mais... Cinq fois par mois, 30 fois par mois ne sont pas assez. Ce qu'il faut, c'est une attention de chaque instant sur ce dont il s'agit. Nitya, anitya, vicharana doivent continuer sans fin. Alors, ça va se transformer. Une personne peut y passer tant de temps, une autre va y passer un peu moins ou un peu plus de temps. Ça, c'est karmique. Vous ne pouvez rien y faire, c'est comme ça. Vous regardez quelqu'un et vous dites, pourquoi est-il capable d'être merveilleux en quelques mois de pratique? Pourquoi suis-je ainsi? Ça, c'est comme ça, ça, vous ne pouvez pas le changer. Vous ne pouvez le changer qu'en modifiant les paramètres de base de la façon dont ceci grandit. Vous savez qu'on sort un livre qui s'appelle Karma Sutra. Il est déjà chez l'éditeur et... Comme 2020 est un peu... à cause de ça, ils vont le lancer début 2021. Mais les Karma Sutras parlent de ça. Comment changer le logiciel fondamental de ce que vous êtes? Comment s'y prendre? Alors, est-ce que je dois apprendre tout ça? Non. C'est pour ça qu'on vous a enseigné des pratiques simples par lesquelles vous apprenez à vous distancer. Le transformer est un autre genre de travail. S'en distancer est simple. Vous le maintenez un peu à distance, tout à coup, il n'y a plus autant de problèmes. Je crois qu'il y a eu beaucoup de réactions à ce sujet il y a 2 ou 3 jours. Il y avait une citation qui disait, si vous avez de forts, je ne fais que la paraphraser, des goûts et des aversions fortes, vous en serez prisonnier. Parce que vos goûts et vos aversions sont la base de votre structure karmique, le genre de karma que vous construisez. Alors dois-je tout aimer? Est-ce possible? Est-il possible de tout aimer?
Vous n'êtes pas capable de cela. Le seul moyen est de maintenir une petite distance, c'est-à-dire que vos goûts et vos aversions deviennent légers, pas trop forts. Alors votre persona devient un peu ample. Quand votre persona ne vous sert pas trop, alors vos énergies vont croître naturellement. C'est simple. Alors pourquoi parle-t-il d'amour? C'est que vous devez tous les aimer. Ça veut dire que d'une certaine façon, ils vous disent, même si vous ne pouvez pas aimer tout le monde, au moins apprenez à, vous savez, être capable de les supporter un peu. C'est ce qu'ils essaient de vous dire. Aimer tout le monde veut dire quoi? Ils essaient de vous dire, ne laissez pas vos goûts et aversions déterminer votre activité ou ce que vous ressentez ou pensez d'eux. Vous essayez de le casser par l'autre bout, ce qui... ça fonctionne jusqu'à un certain point, je ne dis pas que ça ne fonctionne pas. Ça fonctionne, c'est la façon dont la plupart des gens vont s'y prendre de toute façon, mais... ça n'ira pas jusqu'au bout, cela ne peut pas aller jusqu'au bout. Si vous recherchez la libération, ce n'est pas la bonne façon. Si vous recherchez la réussite sociale, c'est la bonne façon. Tout ce que vous avez à faire, c'est sourire, agir aimablement, dire quelque chose de gentil, faire des cadeaux, faire cela, vous allez réussir socialement. Mais ça, ce n'est pas pour ceux qui recherchent la libération ultime. Ce n'est pas la bonne façon de s'y prendre. Donc, on a parlé de beaucoup, beaucoup de choses, mais on reste avec cette question particulière. Est-ce que l'amour et la dévotion sont la réponse? Ou est-ce qu'élever mon énergie est la réponse? Eh bien, il est mieux d'utiliser un fusil à pompe qu'une carabine. Si vous utilisez une carabine, vous devez être très bon. Vous connaissez la différence? Vous savez quelle est la différence entre un fusil à pompe et une carabine? Oh, la plupart des gens ne savent pas. Ok, une carabine n'a qu'une seule balle. Elle va... fusil à pompe veut dire de calibre 16, généralement, à 16 petites balles. Elles vont se disperser comme ça. Si vous ne visez pas bien, un fusil à pompe, eh bien, boum! Ça va toucher quelqu'un. C'est comme les services de rencontre. Ça va toucher quelqu'un. Avec une carabine, vous devez être bon. Vous voulez toucher cette personne-ci, vous devez être capable de toucher cette personne. Dans ce cas, la carabine est bien. Autrement, boum, ça pourrait juste partir ailleurs. Donc, la question est celle-ci. Le fusil à pompe est bien pour la plupart des gens, parce qu'ils ont besoin de toucher quelque chose. S'ils ne touchent rien pendant longtemps, ils vont devenir frustrés. Donc vous pratiquez aussi d'être gentil avec les gens, d'être aimant, la dévotion. Je ne supporte pas cette personne, je suis dans le temple. J'ai vraiment de la dévotion pour Devi, mais... si je regarde par là, ça va me rendre nerveux. Si je regarde par là, des couteaux tirés. Tous ces problèmes existent, donc c'est bien de pratiquer l'amour. Je ne les supporte pas, mais je pratique l'amour. Donc mieux vaut tout faire. Essayer d'être en paix, d'être joyeux, d'être aimant, d'être en dévotion, en même temps travailler sur vos énergies. À mesure que la machine s'améliore, naturellement ses performances s'améliorent. Moi personnellement, je suis pour ça, que vous améliorez la machine, ne vous souciez pas des performances, les performances seront là. Comment pourrait-il en être autrement si vous avez une super machine? Même cet idiot conduit à 160 km/h, on n'est pas capable de le rattraper, on pense tous être de grands conducteurs. C'est la vie. Chaque fois que vous atteignez quelque chose, voyez, essentiellement, vous devez comprendre, d'une certaine façon, que vous pensiez à aller au paradis ou que vous vouliez atteindre Mukti,
ou vous voulez un nouveau travail, ou vous mariez, ou vous démariez, quel que soit votre but, vous recherchez essentiellement la réussite. Ce que vous souhaitez doit arriver, c'est tout le truc. Réussite veut dire, en termes d'expérience individuelle, ce que je veux doit avoir lieu. Maintenant, comme vous le savez, je vous l'ai dit mille fois que la seule et unique raison de votre malheur est que la vie n'a pas lieu de la façon dont vous pensez qu'elle devrait avoir lieu. C'est tout. C'est aussi simple que ça. Donc c'est une équation simple que vous devez résoudre. Vous devriez tous travailler dessus. On va regarder comment régler ça pour vous de tant de façons différentes dans les prochains jours, mais c'est quelque chose que vous essayez de résoudre. La base de votre malheur est que la vie n'a pas lieu comme vous le voulez. En période de virus, la vie n'aura définitivement pas lieu comme vous voulez. Alors, comment être heureux? Vous devez résoudre cette équation. Vous pouvez utiliser des tas d'astuces. La force, la contrainte, vous savez, câliner, courtiser, tout un tas de choses que vous pouvez faire au niveau des situations. Aucune ne fonctionnera à 100%. Ceci est arrivé. Shankaran Pillai va pêcher. Au bout de nombreuses heures d'attente, un petit bébé poisson mort à l'hameçon. Il le sort, l'attrape, et le regarde en hurlant « Ne reviens jamais ici sans tes parents !» et il le rejette. Il y a beaucoup de façons de régler cela. Cela va-t-il fonctionner est la seule question, parce que la base du malheur de quelqu'un est que la vie n'a pas lieu comme vous voulez. Vous n'avez pas assez d'énergie pour vous alimenter de telle façon que vous êtes capable de marcher dans la rue de façon aimante. Peu importe, personne n'est là. Peu importe que personne ne soit là. Pas d'homme, de femme, d'enfant, aucune créature n'est là, simplement dispersée de l'amour en marchant. Avez-vous assez d'énergie pour faire ça? C'est la question. Si vous aviez l'énergie, vous en déborderiez partout. Si vous ne l'avez pas, vous allez l'économiser, dans la rue, une fois chez vous. Parce que si vous ne l'économisez pas, en arrivant chez vous, il n'y en aura plus. Vous n'aurez plus d'énergie pour rien. Ceci est arrivé un jour. Shankaran Pillai rentre du bureau chez lui. Puis tout d'un coup, il se rappelle, au cours des 15 dernières années, et avant leur mariage, comment ils étaient ensemble, et qu'il lui achetait des fleurs chaque jour, tout ça. Tout à coup, il se rappelle qu'après le mariage, il ne lui a pas apporté de fleurs une seule fois. Alors il se dit, on va changer ça. Alors il va chez un fleuriste et achète un bouquet de roses rouges, et rentre chez lui. Elle... Vous savez, une femme tendue ouvre la porte et dit « Quoi ? Aujourd'hui, les enfants ont fait une bataille de nourriture et j'essaie de nettoyer cette fichue chambre depuis ce matin et comme si ça ne suffisait pas, l'évier de la cuisine a fui et la pièce était inondée et ça m'a pris une demi-journée de plus, voilà où j'en suis, et toi tu rentres à la maison saoule. » Les fleurs. Donc, si vous essayez par l'autre bout, il y aura beaucoup de confusion, de déception, de problèmes. Mais si vous avez assez d'énergie pour déborder d'amour autour de vous, quelqu'un vous rejette, quelqu'un ne vous répond pas, quelqu'un pense que vous êtes toqué, quelle importance? Vous êtes... C'est comme ça que la vie devrait être. Merci. Yoga, yoga, yogeshwaraya.
Narayana Shiva Shiva Sarveshwaraya Shambhava.